آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq de venir à la masjid en ce jour de vendredi pour écouter les quelques paroles de son dîn et pour accomplir cette salat capitale, c'est-à-dire la salat de Jumu'ah. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons voir la taqwa. C'est quoi la taqwa et ses vertus? Les vertus de la taqwa. Tout d'abord, la taqwa signifie piété, se protéger, ou lorsqu'une personne, en appliquant la charia, eh bien, elle se protège des péchés. Et d'après Hazrat Ali radiallahu anhu, la taqwa consiste à quatre choses. D'après Hazrat Ali radiallahu anhu, la taqwa c'est un assemblement de quatre choses. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir ce qui a été révélé, la pratique de ce qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et la pratique de ce qui a été enseigné par Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, se contenter du minimum. Et quatrièmement, c'est se préparer pour la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, se préparer pour la vie après la mort. Hazrat Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Que la taqwa, quatre choses. La crainte d'Allah, la pratique de ce qui a été révélé, se contenter du minimum et se préparer pour la rencontre avec notre Rabb, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, une autre façon pour comprendre c'est quoi la taqwa. Une fois, Hazrat Omar radiallahu anhu, il a demandé à Hazrat Ubay ibn Ka'ab radiallahu anhu. Il a demandé: oh Ubay ibn Ka'ab radiallahu anhu, qu'est-ce que la taqwa? C'est quoi la taqwa? Et là, Ubay ibn Ka'ab radiallahu anhu, il a dit: oh Amirul Mu'minin, oh Omar, es-tu déjà passé par un sentier épineux? Hazrat Omar radiallahu anhu, il a dit: oui, bien sûr. Et il a demandé: qu'as-tu fait quand tu es passé par ce sentier épineux? Là, Hazrat Omar radiallahu anhu, il a dit: j'ai ramassé mes vêtements de chaque côté et je faisais très attention là où je mettais mes pieds de peur qu'une épine me pique. Et là, Ubay ibn Ka'ab, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, c'est ça la taqwa. C'est ça la taqwa. Que dans notre vie de tous les jours, qu'on fasse attention des péchés. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, on est exposé au péché. Eh bien, à nous de faire attention qu'on ne glisse pas, qu'on ne dérape pas vers les péchés et qu'on reste sur le droit chemin, sur le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a faire un péché. Mais la taqwa, c'est ne pas seulement de ne pas faire le péché, mais c'est aussi de ne pas faire toute action qui peut nous amener à faire un péché. Si on voit, on va faire telle ou telle chose, il pourrait y avoir un dérapement, il pourrait y avoir un risque de faire des péchés, eh bien on s'abstient. On s'éloigne de ces choses-là. Comment dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: «Wala taqrabu zina», et éloignez-vous de la fornication. Eh bien là c'est pareil, nous devons pas seulement ne pas faire les péchés, mais rester loin des péchés. Rester loin des actions qui peuvent nous amener à faire les péchés. Maintenant, la taqwa, il y a
quatre degrés de taqwa. Le plus faible, la plus faible degré de taqwa, c'est quoi? C'est une personne qui croit en Allah et son prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième degré de taqwa, c'est quoi? Une personne qui croit en Allah et suit le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait de bonnes actions et il fait aussi les mauvaises actions. Troisième degré de taqwa, c'est quoi, mes chers frères? La personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait de bonnes actions, il fait des mauvaises actions, il fait des péchés, mais il se repent après avoir fait un péché. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses fautes. Il demande tawba à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le troisième degré de taqwa. Quatrième degré de taqwa, une personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait de bonnes actions, il fait des péchés, il demande pardon pour ses fautes, pour ses péchés, mais pas seulement cela, il invite aussi les gens vers le droit chemin. Il partage ses connaissances, c'est un da'i il Allah, il propage la connaissance du din. Et cette quatrième degré de taqwa, eh bien, c'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. C'est ce taqwa-là, ce quatrième degré de taqwa que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran. Plusieurs endroits, Allah subhanahu wa ta'ala parle de taqwa dans le Coran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, etc., etc. Eh bien, c'est ce quatrième degré de taqwa que nous devons adopter. Et maintenant, pour avoir cette taqwa-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. » Oh, vous qui croyez, « Ya ayyuha alladhina amanu, craignez Allah et gardez des relations avec les gens pieux. » Gardez des relations, fréquentez les gens pieux. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Maintenant, comment reconnaît-on quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui a la taqwa? Eh bien, quand on voit cette personne, eh bien, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. En voyant la personne, le muttaqi, eh bien, ça nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on entend parler, eh bien, ça nous apporte le ilm, la connaissance sur notre religion. Et quand cette personne, il fait des actions, eh bien, ça nous rappelle le qiyama, ça nous rappelle le jour du jugement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime énormément les muttaqi. Il aime énormément les muttaqi, les gens qui ont la taqwa en eux. Et il aime tellement le muttaqi qu'il a réservé des avantages et des vertus pour la personne qui craint en lui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Quiconque craint en Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une issue favorable. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de la taqwa, enlève toutes nos difficultés. Et ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui-même, il dit dans le Coran, « وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses dons, il nous accorde ses dons, ses bienfaits, par des moyens où on ne s'attendait même pas, par des moyens où on ne comptait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde ses bienfaits et ses dons pour le muttaqi. Souvent, on se plaigne de notre risque. On n'a pas assez de moyens pour vivre. Ou sinon, si on a des moyens, bien, on a des difficultés dans notre vie, dans notre travail, dans notre commerce, etc. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit encore dans le Coran? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une issue favorable et lui facilite les choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les choses. Et parfois, sans même comprendre, comme on a dit, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, il nous accorde ses bienfaits là où, par des moyens où on ne s'attendait
même pas. Et pour le muttaqi, mes chers frères, le muttaqi qui fait de bonnes œuvres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus de récompenses par rapport à celui qui n'est pas muttaqi. Quand on a la récompense d'être muttaqi, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus de cela, on fait de bonnes œuvres, eh bien on a double récompense. Et lorsque une personne qui se préserve des péchés, eh bien il verra aussi ses péchés pardonnés, et ainsi il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il verra ses péchés pardonnés, il aura ses péchés pardonnés et il aura une grosse récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela les sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, ils faisaient très attention à adopter la taqwa en toutes choses, en mangeant. Ils faisaient très attention à ce qu'ils mangeaient, en buvant, dans les relations avec les gens, dans leur travail, dans leur commerce, etc. Ibn Mubarak, radiallahu anhu, rahmatullah alayhi, rapporte que délaisser une pièce haram est meilleur que dépenser 100 pièces dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisser une pièce haram est meilleur que dépenser 100 pièces dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un petit récit à propos de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, nous savons tous ce qui Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il est connu pour sa grande piété et sa taqwa. Une fois, Imam Sab, eh bien, il tenait un commerce et il avait son partenaire dans ce commerce. Il était associé avec une personne. Et une fois, un jour, son partenaire, son associé lui dit à Imam Sab: va te reposer et je vais rester surveiller le magasin, je resterai pour la vente. Imam Sab dit: ok, d'accord, je pars, mais attention, si quelqu'un veut acheter un tel tissu, eh bien n'oublie pas de le prévenir que dans ce tissu-là, eh bien il y a un défaut. Donc son partenaire a dit: ok, d'accord, et Imam Sab il est parti. En retournant quelques heures après, il a remarqué que ce tissu était manquant et il a demandé à son ami: est-ce que quelqu'un a acheté ce tissu? Il a dit: oui, une personne a acheté effectivement ce tissu-là. Et il a demandé: est-ce que tu l'as prévenu de ce défaut qu'il y avait dans ce tissu? Il a dit: ah, désolé, j'ai oublié. Et Imam Sam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cessé d'être le partenaire de cette personne, mais pas seulement cela. Il a arrêté ce travail-là, mais pas seulement cela. Il a donné tout le bénéfice qu'il avait eu dans ce travail en sadaqa, soit environ 30 000 dirhams. Il a donné dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était la taqwa de nos savants, de nos saints. Donc, mes chers frères, nous voulons la baraka de notre vie, eh bien, croyons fermement à Allah subhanahu wa ta'ala et éloignons-nous aussi des péchés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. C'est-à-dire, si les habitants des cités auraient cru en Allah et auraient été pieux, eh bien, nous leur aurions certainement accordé des bienfaits, des bénédictions du ciel et de la terre. Donc, mes chers frères, à retenir aujourd'hui la taqwa. Adopter la taqwa dans notre vie de tous les jours. Si on a la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala enverra ses facilités, ses aides pour nous. Et on aura aussi, inshallah, la réussite dans notre monde et dans ce monde aussi. Ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que pour le muttaqi, il lui ouvre une issue favorable dans ce monde, lui accorde de grosses récompenses et lui facilite aussi pour l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de mettre en pratique. Amin, ya rabbal alamin, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.